Et bonjour YouTube. Alors, il s'est passé quelque chose. On arrive sur la fin de la run, mais il s'est passé un truc. Je ne sais pas du tout récap de la run, parce que je la faisais vraiment en mode chill, quoi. Attendez, je vous montre peut-être un peu le son du jeu. Voilà, j'espère que vous allez bien déjà. Donc, on est sur une petite run Slay the Spire. Je vais juste vous montrer mon build. Vous allez péter un câble. J'ai Ombre, Lugue, Salamandre, Gnome, la poupée vaudou. Les bénédictions de l'élémentaliste, c'est ce qui fait que du coup j'ai tout simplement le gros monsieur à côté de moi qui se nomme, j'ai oublié son nom, Oberon, le roi des esprits. En plus de ça, petite relique électrique qui fait qu'on est inchoppable. Et niveau crâne, j'ai pris deux crânes qui pop en magie, tout simplement. Ah oui, ça faut que je le fasse plus souvent, c'est vrai je le fais jamais. XO. Donc on a eu l'archiliche, voilà, très très bien, dégâts magiques de base. Et Posidon avec le plongeon, etc. Donc en fait, notre but c'est de ne pas se faire choper et de laisser Oberon et tout taper. Sachant qu'en plus de ça, j'ai toujours ma vie et je viens de choper la poupée vaudou. Et on voit la fin du jeu. On voit la fin du jeu tranquillement. Voilà, ça va aller assez vite. Regardez-moi ça, putain. Regardez. Et là, regardez, je me fais juste pas choper. Terminé. Pousse. Je ne fais rien. C'est vraiment une run où j'ai rien fait. À partir du moment où j'ai eu, genre c'était après après le troisième boss, j'ai chopé Oberon quoi. Et du coup j'étais en mode, ok, bah bien joué. Juste point faible, trop fort. Voilà. Et là c'est terminé là. Regardez ça. Hop. Voilà. En vrai j'en fais un peu là. C'est tout. C'est terminé. J'utilise ma relique et puis c'est tout. 194 HP, ça devrait passer. Bon, YouTube, avant qu'on arrive au boss, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu. Et puis on y va tranquillement. On est en run normal, hein, by the way. C'est plutôt cool. Et on va donc fight le premier héros. C'est parti. Et je n'ai reset aucune salle, aucun combat. Hein. Sachez-le, c'est vraiment. Je suis très content de moi, les suites. Ça va exploser. Il m'a chopé quoi, saloperie. Alors, on l'éclate. Hein. J'ai perdu 50 HP sur la première phase. C'est beaucoup hein, quand même, mais parce que je me fais beaucoup toucher. Juste à dash, hein. Clairement, je peux clairement ne rien faire. Hein. Regardez ça, je fais rien à part dasher, c'est abusé. C'est tellement fort. Mais putain, what the fuck. On a battu la deuxième phase qui est infernale normalement. C'est n'importe quoi, putain. Oh là là, ce gameplay de bâtard, c'est abusé. Ça me fume, ça me fout le seum en même d'un côté parce que je galère avec plein d'autres trucs. Là, juste comme ça, et on a perdu zéro vie, c'est ça le pire. Juste, j'ai eu de la chatte niveau item. Ça s'est très bien passé, quoi, et puis voilà. Hein. Regardez ça, c'est abusé. Du coup, ici. Donc on est vraiment en mode normal, hein, en mode débutant non et tout, donc je suis vraiment super content d'avoir fait une run aussi simple. Et ça montre bien que le jeu en soi, si vous avez les bons items, et surtout là avec les nouveaux items qu'ils ont rajoutés, vous le finissez large en mode simple. En mode normal. Large. Mais il faut avoir toutes les améliorations, voilà au moins. Du coup j'ai chopé aussi plein de nouveaux items dus à la mage, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Une petite vidéo sur justement cette mage. Et YouTube. Voilà, c'est tout, tout simplement. Putain, regardez-moi ça, quoi. Bénédiction des mentalistes, Ombre, Lugue, Salamandre. Un colis d'élèves pour avoir un peu plus de magie. J'ai aussi pris le buff Sagesse pour augmenter les attaques magiques de 20%. Avec justement le bâton rituel qui augmente de 50%.
plus 5 qui augmente de 45% par esprit possédé. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est presque de 500%. C'est abusé. 250% presque. C'est abusé. Et la poupée vaudou qui rentre dans l'objet magique. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. J'ai eu un stuff de bâtard. Et c'est la fin. Adieu. Bah YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une aventure. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao. On a fini le jeu, on est heureux.